strong at heart, but we're still dreaming. Wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Et bah regardez derrière nous comme ça fonctionne, la ferme à faire est absolument fonctionnelle les amis. J'espère que vous êtes en forme, merci beaucoup pour vos commentaires sur toutes les dernières vidéos. Quand je dis toutes les dernières vidéos, je comprends toutes les dernières vidéos. Donc Madventure, Euro Truck, Sons of the Forest, bref vous êtes des boss. Et sachez que je suis aujourd'hui à jour. Très honnêtement avec vous, j'ai vu tous vos commentaires et d'ailleurs j'ai quelques idées de noms d'abonnés à mettre. On va faire ça bien dans un instant. Mais d'abord je vais vous montrer la ferme à faire, comment elle est. Parce que oui, j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré. Par contre, vous avez raison, c'est que ça vaut le coup cette connerie. Ça va super vite, ça vaut le coup. Alors j'ai galéré à reproduire, c'est compliqué quand c'est ta première fois. Mais c'est vrai les amis, n'ayez pas peur. En fait c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça en réalité. C'est vraiment pas compliqué en réalité. Tous ceux que j'ai découragés en commentaire, je suis désolé. Mais vraiment c'est vraiment pas compliqué. Le principe il est tout bête. Mais c'était chiant à reproduire. Donc c'est tout quoi. Mais sinon c'est vraiment easy peasy. Donc voilà, ça fonctionne vraiment super bien. Regardez, 4 lingots de fer en un golem. Bref, on est plutôt pas mal. Les amis, aujourd'hui on va un petit peu voir pour se préparer à faire l'Ender Dragon. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'ambition de faire l'Ender Dragon eh bien dans le prochain épisode. Comme ça c'est dit, hop, je vais récupérer ça. Je vais vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai fait en off au-delà de la ferme à faire avec le golem. J'ai également enfin re-rangé mes coffres. Mais genre quand je vous dis ranger mes coffres, c'est ranger mes coffres. Hein, j'ai refait vraiment une belle salle à coffres comme au début. Avec justement, parce qu'en fait j'en avais marre de m'étaler dans tous les sens, de ne pas savoir où donner de la tête. Et au final j'avais toujours la flemme de ranger les coffres, hein, vous les voyez hein, quand je suis en live ou quoi et que j'ai plein de trucs sur moi comme là. Et eh ben j'avais la flemme de ranger les coffres parce qu'il n'y avait rien qui n'allait quoi. Il fallait que je me déplace ici et ça, si j'oubliais de mettre dans un coffre il fallait que je fasse demi-tour, que ça n'avait pas de sens. Là au moins vous allez voir, j'ai tout mis côte à côte. J'ai également terminé la structure du pont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est très basique mais... c'est vous qui m'aviez dit de faire ça en stone brick, les piliers. Donc voilà, j'ai un petit peu terminé donc le chemin pour accéder au portail eh bien, du Nether, les amis. D'ailleurs, à ce propos, j'ai aussi un petit peu comblé le portail. Je l'ai un petit peu mieux fignolé. Si vous avez vraiment des suggestions, je suis preneur, s'il vous plaît, les amis. N'hésitez pas, je lis vos commentaires. Donc n'ayez pas peur d'écrire dans le vent. Si vous avez des idées pour rendre ça vraiment chouette. Parce que sur les côtés, c'est vrai que ben, y a que de la terre. Alors voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. J'ai rebouché derrière, j'ai enlevé les escaliers, il faudra que je rebouche parce que c'est plus la peine de prendre ce chemin là. Donc en tout cas voilà un petit peu pour ce que j'ai fait en off. Et donc je vais vous montrer directement ma salle à coffre, comme elle est belle, comme elle est bien mieux. Et c'est vraiment que du bonheur, voilà. Et on va s'occuper des loups, des abonnés par la même occasion. Alors j'ai tout simplement dégagé les coffres que j'avais mis là parce que justement devoir aller là puis finalement retourner là-bas etc, non c'est franchement c'était pénible. Donc j'en ai profité, j'ai déplacé, j'ai mis l'upgrade gear ici avec l'alchimiste brewing stand. Je vais mettre également la table d'enchantement, justement on va se faire des enchantements encore. Et donc voilà, au moins j'ai rangé ici, ce qui fait que là c'est un peu en vrac la cobble. Mais au moins j'ai encore des coffres de libre ici, vous voyez, et ça c'est pas mal. Et tout ce qui est en rapport avec le Nether est ici. Comme ça on se prend pas la tête. Donc là tout ce qui est plantation du Nether, messieurs dames, tout ce qui est bloc et bordel du Nether, tout ce qui est Netherrack, Glowstone, Block of Quartz, là y a rien dedans, tout ce qui est bois et tout ce qui est loot, voilà un petit peu. Donc comme ça on est vraiment, vraiment plutôt pas mal. Voilà. Alors je vais faire chauffer ceci là. On va pouvoir ranger également le fer qu'on a, puisque là du coup ça y est, oh, ça fait plaisir. Ça met le baume au cœur, ça. Ça met le baume au cœur. Bon bah, les amis, voilà un petit peu. J'ai un coffre décoratif ici. Donc je vais pouvoir mettre les lanternes, les patates empoisonnées bien sûr, on va les jeter directement. Voilà, les fleurs, putain j'ai 35 poppies quoi. Ah ouais, il fait plaisir quand même le petit golem là. Le petit golem de fer, alors attendez hop, on va pouvoir mettre ça là-dedans. Tout ce qui est stone bricks, regardez, tout ce qui est en fait pierre retouchée, hein, ça se passe ici. Et vous voyez tout de suite les rangements sont quand même plus agréables, plus accessibles. Ah oui ça fait du bien, ça me rappelle le début de l'aventure finalement. Hop les blocs de Nether, ah là ça va ici. Là c'est des automatismes. C'est des automatismes et ça, ça fait plaisir. Le spruce ici, voilà, et là mes coffres sont rangés. Bon, les amis, du coup les noms des abonnés, oui alors attendez. Malheureusement j'ai dû, voilà il me reste plus que 3 name tags, parce que j'en avais 4 au total. Mais malheureusement j'ai dû en utiliser un pour le zombie.
dans la ferme à faire, que d'ailleurs j'ai appelé Georges, j'ai oublié de vous montrer, mais bon bref. Alors du coup, j'ai 4 noms d'abonnés en tête, malheureusement je vais pouvoir que en mettre 3 pour le moment. Alors je vous explique, et comme ça je vais me justifier à chaque fois. Dans un premier temps, on va commencer par Odélie, ou Odélie, Odélie. Odélie qui est une abonnée qui est revenue également d'entre les morts, j'adore dire ça. Une ancienne abonnée qui était partie et qui est revenue suite justement à la redécouverte de ma chaîne via Madventure. Et donc qui est ultra actif actuellement, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs qui m'ont redécouvert, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'ai voulu faire ce clin d'œil, cet hommage tout de suite avec Odélie. Ensuite, et merci à toi. Ensuite nous avons, allez on va prendre, c'est ça, j'hésite entre deux personnes et ça m'énerve. Alors je vais faire tout de suite le troisième, comme ça je suis tranquille. BG Swap Beau gosse, oui oui monsieur, c'est bien toi que j'ai décidé de prendre comme loup d'abonné. Pourquoi? Parce que ce gars là il est absolument actif de partout. Sur Sons of the Forest, sur Madventure, il est au taquet, il me régale. Voilà, tu me régales, merci à toi. Donc je te choisis. Et puis pour la troisième personne, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Alors je vais dire les deux abonnés, puisque de toute façon les deux y seront. On a Lilian, bien sûr, Lilian. Ou Liliane, je ne sais pas comment tu veux qu'on prononce. Et Jérémy, bien sûr, Jérémy Calambier. Du coup, bah, je vais prendre le premier que j'ai cité, et Lilian. Comme ceci, on va l'écrire en majuscule, comme son pseudo YouTube. Et puis voilà, comme ça, ce sera pas mal. Malheureusement, j'ai que 3 name tags, tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi un petit peu les plus actifs des derniers moments, des derniers épisodes. Donc ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vais pouvoir enlever ce truc-là. Enfin, je sais pas si je vais continuer d'utiliser ça pour justement faire des clins d'œil aux abonnés. Ah bah voilà, BG Swap Ghost, il est là. Excellent. J'avais pas capté. Aussi oui. Aussi oui. Il y a aussi oui aussi, c'est vrai. Enfin voilà, il y a plein de gens. Ça fait plaisir. Alors on va renommer directement. Et du coup, j'ai une idée. Les différents clans. On a le clan des vieux loups retraités. On a le clan des modérateurs. Et on a le clan des sub YouTube. Et bah, je propose le club des. Le clan, pardon. Pas le club. Le clan des revenants. Et donc notamment Odélie fait partie du clan des revenants. Bon alors pour le moment hein, on va renommer directement les loups là. Là on a Lixi, on a Red Thunder. Voilà c'est tout alors. Lilian. Ah il y a Flo, Théo Cameo, BG Swap Bogos et Odélie. Et dès qu'on aura des nouveaux name tags bien sûr, eh bien vous pourrez remettre vos noms en commentaire. Ne le faites pas maintenant les amis vraiment. Parce que j'aurai pas de name tag. Mais à partir du moment où j'aurai de nouveau des name tags, vous pourrez remettre en commentaire vos pseudos si vous voulez que je les mette sur des loups. Voilà tout simplement. Voilà qui est fait, voilà qui fait plaisir. Donc merci à vous les amis, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Alors maintenant pour l'Ender Dragon, écoutez, on avait un petit peu discuté en live et vous m'aviez dit que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être full Netherite. Alors je rappelle que maintenant j'ai les bottes qui sont Netherite, Feather Falling d'ailleurs, Feather Falling 2. Il manque plus que le casque en Netherite et le reste c'est bon. Et puis éventuellement la pioche, la hache, enfin voilà, ça c'est vraiment du bonus par la suite, hein. Ça rend pas un problème. Alors le truc c'est qu'il n'y a pas besoin d'être full Netherite. Par contre ce qu'il faut c'est une bonne épée. Bon l'épée c'est bon, ça va. Les boules de neige ça ne sert plus à rien, hein. Ça je suis un petit peu déçu. D'ailleurs je vais en profiter, non pas pour réparer mon stuff ou ma pioche, mais pour faire de l'XP. Va falloir qu'on fasse de l'XP un petit peu pour les enchantements, puisque voyez-vous les amis, maintenant ce qu'il faut c'est beaucoup de flèches et un arc cheaté. Alors si on a un arc infinity je dis pas non. Mais c'est vrai qu'il nous faudrait un bel arc pour pouvoir justement shooter les... Voilà, là, il y a des flèches, on récupère les loot, on attend un petit peu, et comme ça, ça fait de l'XP aussi. Il nous faut un super arc. Il nous faudrait un super arc avec, je sais pas moi, power 2, power 3, qui fasse plein de dégâts, qui permette de tirer loin, justement, pour pouvoir... Les tours de cristal, les tours qui régènent, finalement, l'Ender Dragon. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudrait. Est-ce qu'il faudrait une tête de citrouille pour éviter les Ender Dragons? Les Enderman, je sais pas. Pourquoi ça veut pas tomber? Ah parce qu'il fait nuit dehors. C'est faire naquer. Il fait nuit dehors donc forcément les monstres ne spawnent pas dans la salle à mob. Ils ont tous spawn en extérieur mais c'est pas grave. Eh je suis content de cette base quand même hein. Alors faut pas trop s'y attacher. On est à l'épisode 22. Voilà un jour ou l'autre on va changer. On va se faire une autre base dans le coin bien sûr. Mais on va se faire d'autres constructions et on aura de nouvelles bases. Par contre évidemment ça restera dans notre cœur. Notre toute première base, la maison du bonheur bien sûr. Donc voilà. Alors on va aller vite fait checker. Vite fait checker si on peut récupérer éventuellement quelques flèches. Ce serait sympa. Voilà, quelques flèches. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça. Non, c'était l'XP que je voulais surtout. Viens voir. Voilà, venez les loulous. Hop. Niveau 18. Ça bouge pas. Et complètement teubé lui. Ah, voilà. On se réveille un peu. Niveau 19. Bon, bah c'est superbe. Deux flèches en plus. Bon écoutez j'ai bien compris que ça allait mener à rien cette histoire. Ça allait mener à rien cette histoire. Ce qu'on peut faire c'est prendre le cactus et ça fait d'XP hein. En faisant fondre le cactus ça fait d'XP. Alors mon four à XP en bas j'ai du mal hein. J'ai du mal à piger quoi. Pourquoi ça marche pas d'ailleurs?
Pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, parce que c'est des smokers. Bien sûr. C'est des smokers. Ça marche le cactus dedans ou pas? Eh, stop! Est-ce que ça marche le cactus? Non, ça marche pas le cactus. Attendez, juste pour vérifier. On va attendre que le poulet se termine. Attends, je vais mettre tout le poulet. Je vais faire un test si vraiment... Regardez bien, on est niveau 19, hein. Parce que je suis pas sûr de vraiment comprendre, en fait. Oh, ça marche trop bien. Ça marche trop trop bien. C'est ça le truc, c'est qu'il faut quand même attendre et ne pas laisser à la trappe passer le truc, quoi. Alors attendez, on va faire un test. Dès que le poulet sera fini, j'active le levier pour pas que ça tombe et je récupère le dernier poulet. On va voir l'XP que ça va me donner. Et si vraiment ça fonctionne de ouf, c'est que on va pouvoir exploiter vraiment convenablement le truc. Parce que j'ai encore jamais pris le temps d'exploiter cette ce four à XP, quoi, hein. Parce que ça m'a jamais vraiment ça m'a jamais vraiment fait tilt. Donc on va voir, allez, encore 3 poulets. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Voilà, encore un poulet. Voilà. Et voilà. Et là je bloque. Donc là normalement le poulet va pas partir. Parfait. Et là si je prends, je passe de niveau 19. Voilà, je viens de prendre 2 XP. Ouais, bref, c'est de la merde. C'est de la merde cette machine à XP, c'est complètement débile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi je vais vous montrer. Je vais vous montrer, moi les amis, comment on fait de l'XP. Bon, alors bien sûr on peut mettre de la. On peut mettre de la cobalt déjà pour commencer. Bah j'ai du cactus, attendez, bougez pas. J'ai du cactus, hop, on va mettre du cactus. Ça fait de l'XP. Déjà là, regarde. Voilà, tu prends un petit peu plus d'XP, c'est pas mal. On va encore mettre des patates. Tac, tac. Non, moi je vais vraiment vous montrer. Je vais vraiment vous montrer, les gars, comment on fait de l'XP. Tu prends des graines. Vous inquiétez pas, on en aura bien plus après. Je range juste ça. On a quand même 16 flèches et tout. Non, attendez. Pour moi, on devrait. Voilà. Déjà, on a plus d'un stack de flèches. Ça, c'est déjà pas mal. Tac, on met ça là. Donc, tu prends des graines. Tu prends des graines, tu récupères les fours, ça c'est super. Ensuite tu vas récupérer le blé qu'il y a là-haut. Ah bah oui, c'est important. On va récupérer le blé qu'on a là-haut. Tac tac tac. On a pas mal de blé. Voilà. Ça faisait longtemps un petit épisode chill comme ça, ça fait du bien là. Parce que force d'enchaîner Sons of the Forest ou je sais pas quoi et tout là, voilà, ça fait un petit épisode sympa. Un peu les débuts de ma aventure. Voilà, donc là on a 47. Donc là regardez ma barre d'XP où elle est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème barre, 1. Du niveau 19. Donc là tu viens, tu fais reproduire tout le monde là. Tu fais reproduire tout le monde. Et déjà là tu passes la barre du 20ème niveau. Boum. Voilà. Déjà ça avec les fours t'as pas. Y a un poulet qui s'est égaré. Voilà. Toujours niveau 20 mais on est au milieu. Voilà, au middle. Tac 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 tac, ça avance. Vous voyez mes graines continuent encore de descendre, hein. Donc c'est que je reproduis encore, hein. Presque niveau 21 en faisant juste de la reproduction, d'accord. Voilà, on va arrêter là. On va claquer tous les œufs. Excusez-moi, c'est un petit peu bruyant, hein. Voilà. Voilà. Et là ensuite tu viens et tu les tues. Alors le truc c'est que mon épée elle est mending. Alors on va prendre la pioche. Bon là ça fait moins d'effet parce que j'ai pas l'épée, quoi. Bon allez. Ça marche aussi, remarque. Ah voilà. Donc là on a passé niveau 21. Et voilà. Quasiment le niveau 22. Attendez, je veux le niveau 22. Ah dommage. Dommage, bon voilà. Attends, c'est pas grave, regarde, bouge pas. Ah, on a pas le niveau 22, je suis deg. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. Tu prends ton blé, tu reproduis tout le monde là. Voilà, tac tac tac. Alors, par contre, j'ai perdu ma vache rouge, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? J'ai perdu ma mushroom. J'ai perdu ma vache champignon. Je ne comprends pas. Si quelqu'un a une hypothèse, est-ce que ça dispawn tout seul au bout d'un moment? C'est très bizarre, hein. Si vous avez une idée, je suis preneur. Je trouve ça très bizarre. Bon, et on va mettre les graines, bien sûr, dans ce coffre. Et on a 38 plumes. 38 plumes, vous savez ce que ça fait?
Ça fait 38 x 4 de flèches, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc là, on a quand même un beau panel, on a quand même pas mal de flèches. Donc là, on se prépare, mine de rien, pour l'Ender Dragon de manière assez, assez aisée, hein, j'ai envie de dire. Hein. Eh, les plumes, 38 plumes, à mon avis, j'en ai quand même bien plus. Eh, oh, j'ai 3 stacks de plumes, frère. Hein. Tu rajoutes à ça le gravier, et puis on a pas mal de flèches. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de s'occuper de l'arc. On a un arc ici, on a une arbalète. Alors l'arbalète, je suis pas sûr que pour l'Ender Dragon, ce soit une bonne idée, hein. Donc ouais, on va laisser tomber. Donc j'ai qu'un seul arc. J'ai qu'un seul arc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs arcs, bien sûr. Ah bah oui, on va crafter plusieurs arcs. Là, on en va, on va en faire 6. Ce sera déjà pas mal. Hop, comme ça on va pouvoir remettre ici là. Et ceci ici. Ensuite, bon, il va falloir qu'on refasse la table d'enchant. D'ailleurs, attendez, efficiency, punch. C'est pour l'arbalète, je crois. Sharpness, channeling, efficiency, ça c'est pour l'arbalète. Fire aspect, aqua affinity. Ok, j'ai pas de bouquin lié à l'arc, dommage. On aura essayé. Bon, donc là ce qu'on va faire, on va utiliser là le bois que j'ai en masse et on va se refaire des bibliothèques. Ouais, bon, attends, vas-y, allez, claque tout. On est des foufous. Hop, voilà. On va se faire les bibliothèques et on va se faire la table d'enchant ici. Alors, de toute façon, on aura vraiment moyen de décorer ça au fur et à mesure, hein, on s'en fout. Donc. N2, 3. Et donc là, on arrive au niveau 18. N2, 3. J'ai l'accent du sud. Et là, on est niveau 30. Et là, on est pas mal. Voilà. Ok. Donc ça, c'est chouette. On va pouvoir directement, eh bien, enchanter. Bah oui, mais non, mais si j'ai pas de lapis, ça ne peut pas marcher, hein. Hop, je prends le lapis. Et là, vous allez voir, vous allez être sur le cucu. Alors, un petit infinity, ce serait incroyable, hein. Là on a un power 3 déjà, mais il faut être niveau 30. Mais là on a un power 2, donc on va déjà commencer par le power 2. Power 3 toujours. Ah c'est dommage, le niveau 30 il me fait de l'œil. Blast protection, fire aspect. Ouais, le niveau 30 il me fait vraiment de l'œil, hein. Derrière le power 3 il peut se cacher beaucoup de choses. On va pas chercher plus loin. Déjà est-ce qu'on peut aller jusqu'à power 4 pour... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à power 4? Ça c'est une vraie question, parce que si on peut aller jusqu'à power 4, ça change beaucoup de choses. Ça fait que déjà que mon power 2 il est rentabilisé direct. Je vais mettre ça ici, je considère ça comme de la décoration, c'est un colorant. Vous savez quoi, je vais faire un coffre. Un coffre spécial colorant, si déjà. À côté de la déco. Comme ça c'est cohérent. Cohérent, colorant. D'ailleurs, et aussi ça a poussé l'arbre au milieu, hein, ceux qui me disaient que ça marcherait pas. Hein. Ça a fonctionné les gars. Ça a fait 4x4 et après 4x4, 4x4, 4x4 je crois. Donc là on va pouvoir commencer de faire une cabane. Hein. Alors bon, je suis un peu déçu parce que c'est pas ce que j'imaginais, je voyais vraiment ça beaucoup plus grand. Et j'avoue, j'ai un peu la flemme de... Alors vous savez, les envies changent, hein. Donc je sais pas si on va vraiment se faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Par contre, je veux quand même que ce soit une zone un peu de no man's land, avec justement des tunnels ou des passerelles. Ça je change pas mon idée, mais le coup des arbres, je suis pas sûr. Je sais que les paluviers, vous aimez bien. Bon, ça reste à voir. Franchement, ça reste à voir. Comment on va faire pour accéder au niveau 30, là? Comment on va faire pour accéder au niveau 30? Bon, déjà, hop, les amis, je vais me faire des pioches en fer. Je vais aller miner du quartz directement. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je vous dis, que je vais pas prendre de. Ah si, je vais quand même prendre de l'or sur moi en vrai. Ah, pour plus de sécurité, hein, en vrai. Vaut mieux. Et puis bah non, j'ai même pas d'or pour faire des trocs. Bon allez les amis, moi je vous dis à tout à l'heure. Ou à toute allure. Ça revient au même. Alors ce qui est excellent les amis, c'est que je suis en train de miner. Alors j'évite de prendre l'or, mais quand je suis sous terre je prends l'or, j'en profite. Là j'ai récupéré quelques gold nuggets. Et ce qui est bien, c'est que là du coup je suis sur le chemin pour aller au stronghold. Alors c'est excellent, mais c'est vrai qu'il y a du quartz un peu partout là. Je vais avoir du mal à monter l'XP, hein, clairement là, mais surtout avec les pioches en fer, du coup c'est plus long. Mais bon, en tout cas, on est sur le chemin. What? On est sur le chemin pour aller au Stronghold. Et ça c'est marrant. Et ce qui est marrant, c'est que là, on a, c'est génial. Ok, on pourrait profiter de ces hauteurs pour faire une passerelle sécurisée. Parce que j'aimerais bien faire un tunnel qui va jusqu'au Stronghold. Ça peut être sympa. Oh là là, c'est chouette là comme ça. Bon, toujours j'ai récupéré un petit champignon bleu, hein, la petite astuce. Si je récupère l'or, personne me voit là. On est bien d'accord.
Aussi, question que je me pose, parce que j'arrive pas à savoir si c'est le cas ou pas. Est-ce que l'XP que tu reçois en minant de l'or est le même que quand tu mines du quartz ou pas? Pour savoir si le ratio risque slash XP il est bien ou pas. Voilà. Je viens d'où là? Oh merde. Voilà, pas que je me trompe. Ne pas creuser en dessous de soi. Très important, les enfants. Ne reproduisez pas ça chez vous. Bref, je vous retrouve dès que j'aurai les niveaux 30 ou alors si je suis mort. Mais pourquoi mourir finalement? Ah mais en fait j'avais zappé que c'était à côté. Bah je suis arrivé au Stronghold. Je suis arrivé au Stronghold les amis, au Stronghold. Alors pour ceux qui j'allais dire normalement vous l'avez vu dans un des précédents épisodes, puisque j'avais fait une rediff justement du live. Mais on avait fait ça en live et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était l'autre bout du monde à miner. Mais en fait c'est juste à côté les gars. On est vraiment à côté là pour aller faire le Nether, enfin faire l'Ender Dragon, il y a aucun problème hein. C'est juste à côté hein. Donc ça c'est chouette. Bref, on en profite. En vrai l'XP elle monte vite hein. Je suis en train de réaliser, l'XP elle monte quand même vite. Ok, je suis niveau 25 là et j'en suis qu'à ma deuxième pioche en fer en vrai hein. Là il y a de l'or, j'ai toujours peur de me faire choper en minant l'or, mais il y a personne en fait. Il y a personne donc je peux carrément prendre. Vous savez, j'ai l'impression, vous savez les jeux où tu dois embrasser ta collègue sans te faire choper par le patron, bah, c'est à peu près ça. Et en vrai, en début d'aventure, on avait critiqué ce Nether, souvenez-vous là, mon tout premier portail. On est quand même dans le tout premier portail. On avait critiqué le Nether, souvenez-vous, j'étais passé là-bas et j'étais bloqué. Mais en fait, il est bien. Il suffisait juste de trouver le moyen d'avancer et. Bon, là, je me retrouve. Je pense qu'il y a des belles pépites là par là-bas. Non, non, franchement, il est super bien le Nether là. Hein. Regardez. Puis là, si je veux, je peux l'apprivoiser. Alors, j'ai pas pris ce qu'il faut. J'ai pas de canne à pêche, j'ai pas de sel. Mais bon, attends, je vais essayer de traverser en toute sécurité là pour récupérer le quartz. J'ai plein de blocs hein, de toute façon, donc là vraiment je suis tranquille à ce niveau là. Je préfère vous filmer au cas où je fais un fail, c'est toujours sympa. Voilà, pas de fail bien sûr. Et franchement, il est vraiment bien ce Nether. Là je pourrais traverser avec le bonhomme, mais c'est pas grave. Regardez, là-haut vous voyez la passerelle, nous on vient donc de là-bas. Là c'était la première fois qu'on est venu, on s'est retrouvé bloqué ici, d'accord. Donc là on a fait la passerelle pour aller au Stronghold qui est plus loin là-bas. Là je suis passé par ici et au final je me retrouve là. Eh c'est pas dégueu, attends il y avait même du quartz là. Bah il y a du quartz juste au dessus partout. Il y a du quartz partout en fait, genre je sais plus où donner de la tête. C'est un jeu dangereux mais c'est un jeu qui me plaît. Ok. Tout va bien les amis, tout va bien, tout va très très bien. Bon bah messieurs dames je crois qu'on y est. Oh oui c'est bon on y est. Alors très dangereux, regardez le gravier, je me suis fait des frayeurs hein. Je me suis fait des frayeurs, limite là je me suis créé une nouvelle map dans le Nether là avec tout ce que je fais. S'il te plaît dis-moi qu'on est bon. Oh là là, tout pile. Niveau 30 avec 3 pioches. Et là, je peux vous dire, je ne sais pas vous mais moi je suis heureux. Pour ceux qui ont la ref. Du coup, attendez, ops, control, toggle, hold. Voilà, là au moins, voilà, ok. Allez, on rentre à la maison, on est niveau 30. Là, on va se péter une barre parce que à tous les coups. Bon au moins l'arc sera power 3 et on aura essayé. Mais moi je me pète une barre, c'est qu'on va enchanter l'arc. Et en fait et on n'aura pas Infinity quoi. Bref, allez, à tout de suite. Ouais alors en fait il y avait. Mec juste à côté du portail il y avait de l'XP là hein, si jamais hein. Bon c'est pas grave, je vais prendre l'XP. Non je vais pas la prendre justement, je la prendrai justement. Mais il y a encore plein d'XP là. Mais what? Ok, je la prendrai justement pour refaire le niveau 30 après. Ah bah voilà, c'est du génie. Bon en tout cas je suis content parce que au moins là cet épisode en plus il est incroyable. Parce que j'ai découvert un nouveau spot quoi. Enfin je découvre le vrai Nether d'ici là. Parce que souvenez-vous qu'on est parti loin exprès parce que le Nether puait la merde. Mais en fait le Nether il est pas si mauvais que ça hein. Fallait juste être bien équipé pour être serein. Parce que j'étais pas serein au début de l'aventure, souvenez-vous quand même hein. Première fois que je suis allé dans le Nether c'était pas ça. Mais là au moins je suis content. Là au moins je sais qu'il y a de belles choses à faire. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oh un petit flame. Bon bah écoutez c'est déjà ça. Oh ok bon bah voilà c'est bon bah on va refaire niveau 30 Infinity. Allez c'est bonsoir. Alors attendez je vais juste sécuriser ces deux arcs là. Ma pioche hein. Et puis ça repart. Je sais plus où donner la tête. Je fais des lingots d'or, boum. Comme ça je vais pouvoir aussi faire du troc. Allez let's go. Oh incroyable. Bon ça c'est toujours embêtant parce que je vous explique. Là je viens de prendre mon quartz, c'est bon. Il y en avait encore là-haut, putain sans déconner. Bref et le truc c'est que je veux prendre l'or en dernier pour être sûr de pouvoir me barrer. Sauf que du coup quand je veux prendre l'or en dernier, bah voilà c'est là qu'il y a les piglins qui apparaissent. Bon dommage c'est pas grave. Au moins il me fera pas de mal. Je vais vite faire du troc rapidement avec monsieur l'or.
monsieur l'or. Avec monsieur le piglin. On a quelques lingots, autant en profiter. Bon, le mieux, comme dit, c'est de faire ça quand on a... quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. C'est quand même plus intéressant. Voilà. Eh, vous savez quoi, je suis un rebelle, je m'en bats les couilles. Personne voit en plus. Incroyable. Ça prend. Je découvre, hein. Ils sont fâchés? Ah oui, ils sont fâchés, ça y est. Ah oui, non, ils m'ont vu alors. Je découvre, c'est la première fois que je le fais de mon plein gré devant eux pour voir. Et là, ils vont m'attaquer ou pas? Non, non. Bah, tranquille, hein. Tranquille. Ok. Du coup, les gars, incroyable. Incroyable, mais vrai. Les gars, on a notre arc Infinity. Et ça, c'est fou. Infinity Power 3 Flame, hein, quand même. Hein. Juste, j'aimerais vous le préciser parce que bon. Alors, je sais pas si on peut faire Power 4. Je crois pas. Mais si on peut faire Power 4, bah c'est stylé. Du coup, attendez. Hop, hop, Infinity. Directement. Voilà, c'est pesé, c'est remballé. J'ai l'enclume qui est toujours là-bas. Ok. On a. Tac, tac. Donc là, messieurs, dames, qu'est-ce que je fais? Eh bah, c'est très simple. Je prends le. Wouhou! Là, Power Flame Power 3 Infinity. Voilà, et là on a un arc de malade. Et c'est pour ça que je me demande Power 2 plus Power 2, Power 3 et Power 3 plus Power 3, est-ce que Power 4? Franchement, je sais pas, le doute m'habite. Mais c'est une idée. C'est une idée, je sais pas. Dites-moi en commentaire après. Ouais, parce que j'aurais pas assez d'XP pour faire le. Pour faire le test. Je peux récupérer mon casque? C'est adorable, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais j'ai même pas fini ma maison, c'est un truc de malade. Parce que du coup j'ai... Ah voilà. Ah, j'ai fait n'importe quoi du coup. Ah d'accord. C'est là qu'il faudra que je mette une bûche derrière. Bah oui, parce que comme j'ai enlevé les coffres et tout, du coup j'ai... Bon bref, c'est pas ouf. Ouais, attendez, je peux enchanter des bouquins encore. Power 4. Ah bah c'est bon, on peut faire du Power 4. Bon bah j'ai juste à faire power... il faut que je fasse un power 2 au final. Voilà. Ensuite... Non mais attendez, c'est incroyable ce qui se passe les amis. Ensuite je fusionne le power 2 avec le power 2. Ça fait un power 3. Et je fusionne le power 3 avec le power 3. Et oh putain de bordel de cul. Flame power 4 Infinity. Vous ne rêvez pas. Et on va l'appeler... On va l'appeler... Mkobo. Voilà. Oh mon pote. Alors là. Donc ça veut dire que là, les flèches, ce n'est plus un problème. Non mais c'est un truc de zinzin. Bon, il en faut quand même une, hein. Sinon ça peut pas marcher. Attendez. Mais c'est incroyable. Eh, tu rajoutes mending et on est au taquet, hein. Attends, on fait un test. Y a pas un... Pour voir un peu comment ça fonctionne. Parce que pas qu'on se retrouve dans le... Parce que prochain épisode, on fait l'Ender Dragon. Voilà, je vous le dis. Là, imagine, c'est une cristal. Une boule de cristal. Oh oui, bien. Ah oui. Oh bah ça va. Ça va, ça marche bien. Attendez. Là la poule. La poule qui est là. Attendez, peut-être voir le cheval. Ok, donc faut que je vise plus loin. Ah merde. Faut s'entraîner, hein, pour savoir la distance. Un peu plus haut. Bah. Ah. Bon bah voilà. J'aurais bien aimé le sauver mais c'est bon, il va bien, il est pas mort. Super. Ah, on voit un petit peu les flèches que j'ai laissées. Non franchement c'est génial, hein. Ah là on est très très bien, hein. Franchement on est très très bien les amis. Et on va faire un petit tour à la ferme à faire pour voir. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Les amis, prochain épisode XP n'importe quoi. Épique, on va faire l'Ender Dragon. Voilà. Prochain épisode, Ender Dragon, l'épisode numéro 23, Ender Dragon. Notez-le bien dans votre agenda, ça va être un grand moment, ça va être un grand événement. Soyez là, soyez présents, maximum de soutien. Et franchement, j'espère que cet épisode vous a plu parce qu'il aura été, mais alors fructueux d'une puissance fois 1000 entre le fer, entre l'or également, entre la glowstone aussi, j'en ai récupéré, j'en ai profité. Bref, les amis, que du plaisir. Que du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. What? Non mais c'est fou, c'est fou. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, plein de bisous. Et ciao tout le monde.